Merci Pascal. Et donc, comme il faut assumer ses choix, j'ai choisi des bavards, donc que je vais assumer. Et donc, je vais me censurer moi-même. Je vais juste passer quelques diapos de ce que j'avais prévu pour la suite. Et on va aller à quelques questions quand même. Je suppose qu'il y a des questions pour l'ensemble des intervenants. Vous pourrez venir devant après et puis on pourra quand même prendre quelques questions sans trop tarder pour aller déjeuner. Alors, du coup, j'ai quelques éléments sur l'aspect technico-économique. Concrètement, je ne vais pas faire tout le déroulé pour vous dire qu'on essaie aussi de mener cette approche-là. On est plutôt en amont de ça, on est plutôt sur une approche toujours technique à partir de tout ce qu'on vous a démontré ce matin pour travailler sur des éléments de dimensionnement technique pour avoir un outil de simulation. Alors, je vais peut-être vous faire la démonstration contraire de celle de Pascal, mais concrètement, on a travaillé sur un aspect plutôt modélisation à partir de toutes nos données techniques qu'on a essayé de conforter, et merci encore à ceux qui ont répondu quand on a été les voir, puisqu'on a eu tout un travail avec un stagiaire qui a vraiment fait un travail efficace là-dessus, sur l'acquisition de données de référence. Puisque ce n'est pas le tout d'avoir nos pilotes, il nous faut aussi des données réelles sur du temps de travail, par exemple sur les structures existantes, sur des investissements sur les structures existantes, pour derrière envisager un modèle technico-économique. Donc tout ça est très récent, il y a très peu d'entreprises, on le voit bien, c'est du cas par cas, et chaque système est différent, on n'a pas de modèle type. C'est aussi vrai en pisciculture, on n'a pas de modèle type en pisciculture, globalement. Alors, je vais aller très très vite, donc on a fait des choix pour faire structurer cet outil-là. On a un peu paramétré comme ce que vous avez paramétré, avec un compartiment aquacole, un compartiment végétal et tout un ensemble de structures et d'infrastructures autour de ça. Et ça, c'est paramétré à partir des données techniques qu'on a eues sur nos pilotes, des données qu'on a pu récolter sur des fermes existantes pour ensuite travailler sur un compte de résultats par rapport à des produits et des charges. Et envisager, à terme, une analyse de sensibilité économique pour voir les points d'optimisation qu'on pourrait avoir sur ces systèmes-là et du coup utiliser cet outil pour faire de l'analyse de sensibilité économique. Alors concrètement, encore une fois, il faut faire des choix. Et des choix, on a dû en faire là aussi pour commencer à travailler et à dimensionner cet outil-là. Et on est revenu un peu au démarrage de nos travaux sur l'aquaponie. Notre modèle truite-salade était un bon modèle d'étude et c'est celui qu'on a pris là aussi pour continuer à travailler sur l'aspect technico-économique. On a fait trois scénarios, de ce qu'on a appelé du petit low-tech jusqu'à du moyen high-tech. Tous les choix sont discutables. Il a fallu qu'on tranche sur des choix techniques en termes de conception de ces trois systèmes-là, mais on est sur des systèmes de 500 à 1000 m². Ça, c'était vraiment pour travailler l'outil, concevoir l'outil. Encore une fois, on est sur une base de modèles d'études. Alors, on voit des choses notamment en termes d'effet d'échelle par rapport aux investissements, notamment sur la partie aquacole. Quand on change d'échelle, oui, il y a des économies d'échelle à faire. On est sur des investissements au mètre carré qui sont pas si élevés que ça dans nos choix qu'on a réalisés là par rapport à ce qu'on peut voir dans la littérature, où on a parfois des choses qui sont 5 à 6 fois plus importantes que ça sur des structures réelles qui sont montées. Donc ça pose aussi des questions. Et donc, concrètement, et je m'en arrêterai là, mais soyez pas choqués ni surpris, effectivement, on montre que ce n'est pas rentable. Dans nos trois solutions proposées, dans notre modèle truite salade, oui, on n'équilibre pas nos charges et nos produits. On est d'accord. On a fait des choix sur ce modèle truite salade. Il s'avère que maintenant l'outil, il est là. On arrive à le faire à peu près tourner sur des choses qui ne sont pas décollantes techniquement et qui sortent des données qui sont relativement intéressantes en termes de prévision sur les cycles, que ce soit le végétal ou le poisson. Et on a déjà relevé quelques points d'optimisation dans nos scénarios qui permettent de rapprocher nos charges et nos produits. Donc ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est que ça dépend de nombreux paramètres. Les résultats que je vous présente là sont à nuancer, mais on commence à avoir des premières sorties avec ce modèle. Qu'on veut continuer à consolider, et ça dépend de plein de choix, encore une fois, de choix techniques qui peuvent être faits, mais on va poursuivre le travail pour derrière avoir un véritable outil qui permet d'injecter toutes les possibilités et techniques et de choix de marché derrière pour avoir une première approche d'analyse technico-économique sur des projets à moyenne ou à grande échelle, puisque vous l'avez vu, on a déjà tout un background technique qui permet maintenant de se projeter un peu sur ces dimensionnements technico-économiques. Donc le travail est à poursuivre. Et pour finir, puisqu'il faut que j'aille vite, si tu peux mettre la présentation suivante, je vais aller directement sur les travaux à poursuivre, à ce qu'on a prévu, et puis après on vous laisse la parole avant le déjeuner pour quelques échanges avec l'ensemble des intervenants, puisque la question m'a été posée ce matin sur là où on en est et qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. Bah, vous l'avez vu, on a déjà présenté une partie des travaux tout récents, hein, parce que ceux que Pierre a présentés sont ceux de cette année, concrètement, là, sur la tomate. Et on a aussi, on voudrait aussi avoir vos besoins, vos ressentis par rapport à tout ça, et vos demandes, vos questionnements sur des choses qu'on peut continuer à travailler, puisque nous, le programme,
APIVA 2, continuons à l'appeler APIVA, il va jusqu'à fin 2022. On va continuer à travailler sur nos trois structures pilotes. Je passe là-dessus. Il faut savoir que côté INRAE, la station à la PEMA, ils sont en train de mettre en route, puisque ce n'est plus de la mise en place, c'est vraiment de la mise en route, d'un nouvel outil. Un nouvel outil avec trois circuits recirculés et une serre horticole qui va permettre de tester plein de modalités sur la partie circuit recirculé, mais aussi différents supports de culture. Donc l'outil est en lancement, donc là il y a un nouvel outil qui va permettre aussi d'aller plus loin que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Concrètement, nous, sur tout ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, vous l'avez vu, hein, il y a l'aspect dimensionnement, l'aspect utilisation des pilotes, l'aspect rendement, l'aspect phytoépuration, gestion des carences. Le screening végétal, on l'a réalisé, il y a quand même plein de choses qu'on a déjà diffusées là-dessus. On a testé différentes espèces aussi de poissons. On continue, on va continuer sur l'aspect bilan de masse et notamment l'analyse ACV. On va continuer à essayer de diffuser, hein, comme ce qu'on a fait au travers des colloques, au travers de l'ouvrage Quae aussi. Du lien qu'on peut avoir avec certains porteurs de projets intéressés pour discuter, pour échanger, qui ont besoin d'éléments. Et donc, on continue on a eu des réflexions sur l'aliment piscicole, quand Pierre évoquait les carences ou comment gérer ces carences. Ça reste un état de réflexion. Je ne pense pas qu'on poursuive beaucoup là-dessus. L'aspect microbiologie, parce qu'on l'a évoqué, cette fameuse boîte noire, là. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fonctionne aussi bien en aquaponie? On sait qu'il se passe quelque chose sur ce compartiment au sein de notre biofiltre, mais après, au sein du système dans son ensemble. Donc, peut-être une approche métagénomique là-dessus. Tout ce qui est gestion énergétique, on a déjà commencé à documenter un peu tout ça, avec des certifs bioclimatiques, etc. On se pose des questions, hein, clairement, sur la diversification d'espèces. Pourquoi pas tester des choses en eau saumâtre. Qualité, acceptabilité des produits, vous l'avez vu, là, on a été plus loin, notamment sur la partie tomate. L'aspect modélisation, donc ce qu'a évoqué Pierre aussi, ce que les travaux faits à Liège, on a aussi travaillé sur un modèle mathématique pour modéliser le système aquaponique. Technico-économique, vous avez vu, on va poursuivre ça. Les outils de dimensionnement, on va les finaliser puisque les éléments, on les a. L'ACV, bah, je relance l'appel à candidature qu'a fait Victor. On a possibilité de réaliser plusieurs ACV pour bien documenter la diversité des situations au travers de cet outil ACV. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas. L'aspect réglementaire, on en parlera cet après-midi. Mais là, je pense qu'il faut vraiment qu'on remette tout ça à plat et qu'on rediffuse tout ça parce que c'est sujet de beaucoup de questionnements. Donc, tout ça amènera peut-être un autre colloque, si on a la possibilité de le faire, ou un futur salon dans lequel on pourrait de nouveau vous diffuser des éléments. Et je suppose qu'effectivement, vous avez tout comme nous, plein d'idées, plein de questions. Donc, on est ouvert à vos questions, à vos demandes par rapport à la suite des travaux.